à tous, il est 19h15, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, nous serons avec Adi Sako, le jeune attaquant des Girondins de Bordeaux. Il a 19 ans, 1m83, 79 kilos, 6 apparitions déjà. Cette saison avec Francis Gillot, nous découvrirons ensemble un peu mieux la personnalité et les ambitions de ce jeune joueur. Lui mesure 1m73 pour 70 kilos, il est également international mais avec le Cameroun. 15 matchs joués cette saison. Retour avec Landry Guémot sur la belle victoire obtenue à Nice. On parlera aussi de la CAN et du prochain match de Ligue 1, ça sera Valenciennes. Et avec la sémillante Candice, le tour des réseaux sociaux et l'actu du web aussi. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir le jeune Adi Sako. C'est sa première participation au Clubhouse. Bonjour Adi. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Candice, bonjour. Bonjour, un petit tonnerre d'applaudissements. Voilà, en pleine forme comme toujours. Oui, toujours. Et moi, j'ai pas le droit à la jeune Candice, non. Moi aussi. Non, c'est gentil. La jeune et saignante Candice, bien évidemment. Adi, on vous a présenté dans le sommaire. Vous avez 19 ans, vous êtes international espoir et déjà 6 apparitions avec les pros cette saison. C'est conforme à ce que vous vous étiez fixé comme objectif? Non, c'est vrai qu'au départ, je ne m'attendais pas à jouer autant dès la première partie de saison. Maintenant, on prend les choses comme elles viennent. Le coach, il essaie de me donner un peu de temps de jeu. Après, c'est à moi de rendre l'ascenseur. Et petite précision, j'ai 18 ans. 18 ans, il n'y a pas 19. Mais c'est une précision, évidemment, de taille. Mm. C'est un beau parcours hein, pour l'instant. Vous avez été lancé dans le grand bain. La dernière fois, c'était face à Paris, notamment. Et quand on a, c'était Sako et Camara au marquage, parce que vous êtes attaquant, ça va, ça picote un peu quand même, non? Ouais, quand même, ouais, ça picote. C'est des grands joueurs, ils ont du métier. Franchement, ça fait plaisir de jouer face à des joueurs comme ça. C'est, comme j'ai dit, c'est bon à prendre, l'expérience, et ça fait avancer. Et deux apparitions en Ligue 1, vous m'arrêtez si je me trompe, c'était donc face à Paris, on vient de l'évoquer, face à Rennes aussi. 4 en Europa League, ça aussi c'est beau, votre premier match en tant que professionnel avec les Girondins de Bordeaux, c'était en Europa League, dans cette compétition. Ah, c'est clair, ça fait très très plaisir. Jouer l'Europa League, l'Europe, c'est pas donné à tout le monde, et donc on prend et tant mieux. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement au moment de faire vos premiers pas sur la pelouse? C'était à Chamandelmas. C'était des frissons, sincèrement, ça m'a donné un peu les frissons. Je ne connaissais pas le monde professionnel, moi qui venais des U19. Sincèrement, j'étais impressionné, mais bon, après quand tu es dedans, tout se passe bien. Les joueurs ils t'encouragent, le coach ils t'encouragent, donc tout s'est bien passé. En début de saison, vous pensiez faire la plupart des matchs avec l'équipe réserve? Ou vous êtes déjà dit non, je vais faire quelques apparitions avec les pros, on va m'appeler? Ouais, au début de saison, moi je m'étais fixé des petits objectifs. Déjà j'ai repris avec la réserve. Ensuite j'ai rejoint le groupe professionnel. Et suite à ça, au fur et à mesure des entraînements, si je continuais comme je le faisais, donc je savais que j'allais avoir un tout petit peu de temps de jeu, le coach il allait me donner ma chance. Et donc tant mieux, si aujourd'hui j'ai fait 6 apparitions, c'est encourageant pour la suite. Adi Sako, il a 18 ans, il vient de le préciser, il est international espoir, c'est aussi un des grands espoirs des Girondins de Bordeaux. Candice, on va peut-être essayer de découvrir un peu mieux la personnalité de ce jeune homme, le faire découvrir aux abonnés de Girondins TV. Vous avez des infos sur... Ah, je sais que c'est un Twitter, tweet quand même, il a un compte Twitter. Il a fait des jolis vœux pour la nouvelle année en souhaitant plein de bonnes choses. T'es plutôt actif mais gentiment, ça dépend des périodes en fait. Ça dépend des périodes. Souvent avant les matchs. C'est ça. Souvent. Moi j'avais une question à te poser, t'as fait 4 matchs en Europa League, 2 en championnat. Est-ce que à partir de ton 6e match, t'as eu un peu moins le trac en rentrant sur la pelouse? C'est clair, à force de faire des rentrées, tu te sens de mieux en mieux. Mais l'équipe qui avait en face, Paris, c'est clair, c'était pas pareil que les autres matchs. En plus, moi qui est né à Paris, qui a grandi à Paris, qui a joué contre Paris, c'était une fierté en plus. Mais c'est la première fois, on va dire, je suis rentré dans un match où l'équipe, elle était où on perdait. Donc c'était plus dur de se mettre en confiance dans le match, quoi.